Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On est de retour pour un nouvel épisode sur Jedi Survivor. On arrive doucement mais sûrement à la fin, il nous reste seulement quelques épisodes. Donc j'espère que jusqu'à présent, la série vous a plu. Ça a l'air d'être le cas vu le nombre que vous avez été à suivre les différents épisodes. Et merci beaucoup parce que cette série a beaucoup marché. Si vous êtes très présent, vous remarquez pas mal de changements par rapport à l'épisode précédent. Et oui, on a les cheveux longs. J'ai trouvé cette coiffure que je trouve très stylée. Il y a un petit style à la Obi-Wan. Je sais pas ce que vous en pensez avec la barbe. J'aime beaucoup. Et surtout, la tenue complète de commandant. Voilà. Donc, elle est juste magnifique. C'est un peu la tenue dans Clone Wars, hein, clairement. Donc, elle est vraiment jolie. Je vais vous montrer aussi d'autres couleurs parce que là, je l'ai mis tout en noir. Donc c'est plutôt sympa, mais je trouve que ça manque. Enfin, il y a un petit style un peu aussi inquisiteur, tu vois, j'aime bien. Mais je vais vous montrer une autre couleur que j'aime beaucoup aussi, qui est la verte. Voilà, je la trouve vraiment belle. Ce que j'aime bien aussi, c'est que avec cette tenue de commandant, tu peux quand tu changes la couleur en fait du bas, tu vois, ça change la petite l'espèce de petite cape là. Et regardez en jaune, c'est très joli. Il y a un petit liseré jaune comme ça. Et sinon comme ça aussi, voilà, très sympa. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Donc voilà, c'est le set complet, le haut, le bas et le t-shirt également. Voilà, donc je trouve ça très sympa. Vous me direz en commentaire si vous préférez le noir ou le vert d'ailleurs. On va, pour la quête principale, se rendre du coup sur Jeddah et ramener le compas qu'on a récupéré après avoir battu Dagan, les amis. C'était un combat totalement fou et du coup je me demande où l'histoire va nous mener. Enfin, du coup avec le combat on va pouvoir aller sur cette planète normalement, Tanalore, mais il reste encore quelques épisodes donc il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, donc j'ai très hâte. On va faire juste un petit tour sur l'avant-poste. On a quelques personnes à aller voir et ensuite on part sur Jeddah. On va commencer par aller voir la boutique de Doma. On a récupéré beaucoup de... Ça a l'air intéressant. De priorite, donc on peut acheter pas mal de choses. Alors j'avoue que ces coupes là, peut-être celle-ci, cheveux au vent, elle est pas mal. Donc on va la prendre, on va pas l'équiper, voilà. Mais on va la prendre. Raser aussi, c'est sympa. Tu sais la reconnaître. Et après, je pense que je vais prendre voilà, certaines tenues comme ça. Je savais que tu choisirais ça. Le petit débardeur, ça peut être sympa aussi. Je choisis ça. Moi aussi, j'adore ça. Far West, je suis pas trop fan. Ça, c'est pas ouf. Celui-là, il est sympa. Ça. Voilà. Marché conclu. Après, il y a des disques et tout, mais... Far West, ouais, je suis pas trop fan. Celle-ci, c'est Outrider. Ok, bon, pour l'instant, je vais garder mes petits éclats, on verra plus tard. Là, on a un petit animal. Vous savez, lui, en fait, si vous avez regardé mon... J'ai fait une vidéo guide pour trouver le poncho dans ce jeu. Et en fait, quand on bat le boss, il y a genre un mini boss, enfin un mini lui qui est juste à côté. Et du coup, il se retrouve ici, je sais pas pourquoi. C'est un peu chelou. Je sens une présence fétide. Non, c'est pas possible. Quoi ? Attends, c'est un défi qui vient d'arriver là ? Arrête. Donc le boss qui était déjà très dur, vraiment, c'était pour moi l'un des plus durs du jeu. C'était un genre de lui, mais beaucoup plus gros, qui faisait très mal, qui one-shotait quasiment à chaque fois. Et du coup, ce petit Minus, il était dans la caverne. Et déjà, c'est bizarre qu'il se retrouve ici. Et maintenant, là, il a ouvert une faille, genre en mode défi. Qu'est-ce qui se passe ? Waouh. J'ai peur, les amis. C'est trop bizarre ce qui se passe. C'était pas du tout prévu en fait. Oh non. Oh non, c'est eux en fait. Enfin c'est lui. Éliminer les horreurs de Bogano. Mais non. Oh mon dieu. C'était eux. Ah mais il y en a deux. Non non mais regardez ma vie. C'est juste pas possible. Oh. Ok. Waouh, ok. Franchement les habits là. On dirait pas comme ça, mais ils font très très mal. Waouh. Là, tu vois, si cette attaque, par exemple, me touche avec sa langue, je meurs d'un coup, en fait. Il m'avale. Donc ça va probablement arriver, en fait. Voilà. Là, j'ai failli me faire avoir.
Waouh, ok. Vous avez vu ma vie là. Voilà, je suis mort. C'est chaud. C'est très très chaud. Je pense que c'est l'un des défis les plus compliqués du jeu. Donc on va pas le faire tout de suite. Parce que déjà que le boss pour récupérer le poncho, il fait très mal. Et j'ai galéré pour le battre. Ça n'a pas marché. Alors là, deux comme ça en même temps. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. On a d'autres choses à découvrir. Vous inquiétez pas. Je voulais également... En fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode, on était passé à côté. En fait, il y a certaines maisons, voilà, où on peut pas aller. Et pourtant, enfin, pour le moment, donc je pense qu'il faut faire des quêtes secondaires. Tu vois, là, on peut récupérer quelque chose, mais on peut pas encore rentrer. Et il y avait, par exemple, tu vois, ce robot-là. Lui, on le rencontre dans une quête secondaire. Et quand tu le fais revenir à l'avant-poste, du coup, après, tu peux rentrer à l'intérieur. Et t'as un espèce de coffre, voilà, qui est là à récupérer. Donc il y a certaines maisons, on peut pas encore y aller. Par contre, on en avait vu une, je sais pas si vous vous souvenez, il y a celle-ci. On était passé à côté, et voilà, dès que t'arrives à côté, il y a des dizaines de caméras qui te témat. C'est très chelou. Et je crois que maintenant, voilà, on va pouvoir y rentrer, parce qu'on a le pouvoir de, vous savez, faire léviter les objets ou les faire descendre. Ouais, là, ok. Ah oui, et derrière, il y a un truc vert. On peut passer à travers maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardons ça. Toujours curieux. C'est monolithe, je n'arrive pas à les comprendre et c'est ce qui me fascine. Les habitants racontent qu'un ancien trésor est caché à l'intérieur, mais personne n'est parvenu à les percer. Il est beaucoup plus intéressé que moi, ce qui devient quelque peu inquiétant. Ok. Attends, mais il y a quelqu'un là? Dépêche-toi. C'est qui lui? Sun Madas. Hey. Salut. Qui va là? Je ne suis pas d'ici. Oh, la tête. Je ne fais que me promener. Alors, du vent. Y'a rien pour vous ici. Oh, t'es pas Jojo, toi. De quoi vous avez peur? Vous m'aurez pas. Vous venez pour mes lumières. Vous voulez me tuer, comme cette bande. Je quoi? Ne suis pas là. Attends, pour vous tuer. On peut le manipuler. Allez, du balai. Je ne le répéterai pas, étranger. Attends, on va essayer. Qui va là? Je ne suis pas d'ici. Je ne fais que me promener. Alors, du vent. Y'a rien pour vous ici! De quoi vous n'avez rien à craindre? Oh! Il a fait le signe. Rien à craindre. Un allié. Je suis juste un ami de passage. Vous êtes juste un ami de passage. Allez, allez! Entrez, vite! Vous faites rentrer toute la poussière! What? Quoi? Attends, y'a un des. Ça va? Vous êtes un ami, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ne pose pas de questions. Pas les miens, en tout cas. Et de toute façon... Attends, il est moche. Beaucoup à faire. Je suis désolé, mais... Qu'est-ce que vous comptez faire? Trop occupé. Pas maintenant, étranger. Laissez-moi. Il est bizarre, laissez-moi lui. Laissez-moi tranquille. Beaucoup de soucis. T'es vraiment bizarre. Ouais. Je reviens tout de suite. Attends, il y a un truc secret qui vient de s'ouvrir sur le plancher. Allons-y, BD1. Oh, stylé. Allez, trop bien ça. Putain, j'adore ce genre de secret comme ça dans le jeu, c'est trop stylé. Bim, un point de compétence, magnifique. Pourquoi il y a un mort dans sa cave? Attends, c'est la même race que lui? Mon frère, ne m'ignore pas, tu ne m'arrêteras pas, je t'en empêcherai. Ah mais Sun Madas, c'est le mec qui est en haut? Vous comprenez pas. Quoi? Lui avant. Quoi? Attends, il m'agresse. Mais t'es sérieux? Pas comme ça. Oula. Hé eh. Mais il est malade, lui. Ça va, il est fou. C'est le type. C'est le type qui est là-haut, les gars. Mais il est fou, lui. Hé eh. Non. Mais frérot. Mais frérot, t'es fou? Il a tué son propre frère. Oh. Mais ça va pas, non? On est tombé dans un guet-apens. Il a tué son frère? Wouah. D'accord. Bah... Qu'est-ce que t'as vu, BD? Ah, BD, on dirait qu'il a vu un truc. Ah. Obsession. Je vais les briser, je vais les creuser, je vais trouver leur trésor, quel qu'en soit le prix, je vais les ouvrir. Waouh. Ah ouais, on est tombé sur un ouf. Mais je sais pas de quel trésor il parle en plus, mais bon.
Ah, c'était trop stylé. C'était ouf, ça. Waouh, ok. On va retourner au saloon. On a 2-3 petits trucs à faire avant de partir sur Jeddah. Et j'ai trop kiffé ce genre de truc secret là. C'est trop bien. Alors, Grease, mon ami. Alors, t'as le compas ? Ouais. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prochain arrêt, Jeddah. Puis ensuite... T'as alors. Ça rime avec Shman alors. Shman alors. Certain de vouloir quitter le Pylon ? Il est entre de bonnes mains. Et c'est pas un aller simple. On peut toujours revenir, non ? Il va falloir faire attention. Bien sûr. J'aimais prendre des risques quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je veux juste un bon foyer. Ok. C'est vrai que normalement, Tanalor, tu reviens plus après. Mais bon. Cal. Quand on affrontait Dagan, ses hallucinations. C'était quoi pour toi ? Nos amis, qui souffraient pour m'avoir suivi. Et je ne pouvais rien faire pour eux. J'ai vu Kata. Dans sa chambre. Sa fille. Des Stormtroopers à sa recherche, défonçant la porte. Mais tu sais quoi ? Je laisserai pas ça arriver. Oui. Merci d'être là et d'assurer mes arrières. Non. Merci à toi, mon frère. On est plus près de notre but que jamais. Mettre les gens qu'on aime en sécurité. C'est bien vrai, c'est bien vrai. On a du coup aussi... Ah, on a Zed ? Voilà, on va aller voir la boutique de Zed. Tu veux voir ce que j'ai trouvé ? Alors, on a 13 disques données, donc je pense que je vais acheter un emplacement d'avantage. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. Ça pourrait être utile. Voilà. Nouvel emplacement d'avantage obtenu. Nickel. Et du coup, voilà. Je pense qu'on est bien. On va aussi mettre... On a récupéré pas mal de poissons. On va les mettre dans l'aquarium, qui est tout sale. Voilà. 4 sur 12 maintenant. On a maintenant un aquarium en état correct. Et ça se voit. Voilà, c'est plutôt joli. Ah, regardez, il y a un genre de poisson là en haut à droite qu'on a récupéré. Donc il y en a 12 à trouver et nous on en a trouvé 4. Ok. Dernière petite étape, on va monter sur le toit voir comment nos plantes qu'on a plantées il y a quelques épisodes de ça, est-ce qu'elles ont poussé ? Tiens, c'est nouveau ça. On a l'air d'être bien parti, BD. Ah, ouais. J'espérais bien que vous trouveriez ces graines. Plantez-en une et je vous dirai tout ce que je sais. Attends. Jardiner. Une nouvelle espèce pour le jardin. On devrait en parler à Pili. Attends, tac. Comment je fais ? Ah, c'est stylé ça. J'ai hâte de voir ce qu'on va mettre ça donner. Là. Voilà. 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 Et voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire bon, d'autre aussi ? Ouais, pour un peu de jardinage. Graines, bah de toute façon on en a pas d'autres. Ok. Ah, elles ont bien poussé celles-ci, je crois qu'elles sont. Du coup elles sont à fond. Et elle, c'était la botaniste qu'on avait trouvée dans le désert de Jeddah. Bonjour Pili. Pili. Kobo nous a bien accueillis. Et ce toit a une énergie irrésistible. Vous avez un lien spécial avec ce jardin. Oui. On s'aide à grandir mutuellement. On dirait que vous avez déjà commencé. Les lianes ? Oui, elles sont apparues dans la nuit. Mais il y a encore tant à découvrir. Si vous plantez de nouvelles graines, je pourrais vous en dire plus à leur sujet. Toutefois, évitez de trop vous éparpiller. Faites pousser les plantes qu'on a déjà, et j'agrandirai le jardin en temps voulu. Ok. Rumeur terminée. Donc là, on fait pousser les plantes. Effectivement, il n'y avait pas de liane ici. Donc je sais pas, on va monter. Je suis trop curieux, les amis, pour laisser ça comme ça. Mais c'est vrai qu'à la base, il n'y avait pas de liane. On peut monter tout en haut, à mon avis, il y a quelque chose là-haut, tout en haut de la tour, là. Oh, d'accord, un défi. Oh mince, on va essayer. On va essayer, on va voir ce que c'est. Alors... Aimer tous les ennemis en utilisant la posture double lame. D'accord. Alors c'est quelque chose que j'utilise jamais. Mais bon, je l'aime bien. Dans le 1, j'utilisais quasi tout le temps.
Bim. Waouh. Bim, bim, bim. Allez, c'est bon. Il y en a d'autres qui arrivent. Waouh. Oula, oula. Ah, je suis plus à l'aise avec... avec le maniement double parce que j'utilise depuis très longtemps. Mais c'est vrai que le double lame... En plus, je voulais changer pour prendre le double lame, là. Un petit peu, histoire de changer. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas le même gameplay. En plus, j'ai débloqué... aucun point de compétence. Waouh, ça continue. Waouh, waouh, waouh. Prends le stim. Wouh. Yeah, attention. Oh, il fait mal lui. Ah, mais j'arrive pas à avancer. Bah, je bloque tout. Yeah. Par contre, c'est vrai que c'est pas mal hein, quand il y a beaucoup d'ennemis. C'est vrai que c'est quand même stylé double lame. Aïe. Allez. Il faut vraiment contrer comme il faut. Yes. Oh, on a terminé. Bon, bah, tranquille. Ça va, c'était plutôt simple. Ah, ça m'a mis confiance pour utiliser le double lame. Peut-être changer avec... remplacer le sabre garde par le double lame. Histoire de changer un petit peu. J'ai réussi. Et bah voilà. Et bah, attends, on a une belle vue d'ici aussi. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Je pense que mon armure de commandant m'a servi. Bon, les amis, il est temps de partir, retrouver Eno Cordova, retrouver nos amis du passage pour se mettre en quête vers Tanalore. Est-ce qu'on va y aller dans cet épisode? Je ne sais pas. Ça va être très intéressant. J'espère que Cordova peut réparer le compas. Oui, c'est vrai qu'il faut déjà le réparer avant même de l'utiliser. Il est un peu cassé. Un peu. Direction Jedha. Non, pourquoi pas... Cap sur Jedha. Vous croyez que Cordova peut réparer ce compas? Non, je suis prêt à parier des crédits. Tu as des crédits à parier? Ça veut dire quoi ce que tu dis? Tanalore. On est si près du but. J'ai hâte de voir Tanalore. Oh, moi aussi. Mais va pas fonder une école de sorcières ou je sais pas quoi. Et n'invite surtout pas tes sœurs. Elle me file la chair de poule. Mais elles sont là, tout autour de toi. J'ai senti quelque chose. Gris, t'as senti ça? C'est une blague? Comme il le troll, j'adore. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Je me rends compte, je m'étais mis en mode qualité pour juste le début de l'épisode. Je me suis remis en performance que je préfère quand c'est plus fluide, mais c'est vrai que ça m'a pas trop dérangé pour le coup, c'est étonnant. Je crois que le petit patch qu'il y a eu il y a pas longtemps a fait du bien quand même. Vous me direz en commentaire si ça vous a amélioré, mais moi je trouve que j'ai moins de déchirures d'écran, beaucoup moins de saccades depuis, même en performance. Allez, on va voir ce que Eno va dire sur le combat qu'on va lui ramener. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Hein. Maître Cordova. Dagan Guerra avait le dernier compas, mais il est... endommagé. On peut pas dire qu'il l'ait donné de bon cœur. Ceci
est réparable. Je m'y mets tout de suite. BD. Laissons Maître Cordova se concentrer. Je connais un endroit sympa. Bien. Ah, Cali est stylé avec les cheveux longs quand même, j'aime bien. Petite soirée tranquille. J'ai rapporté du thé. Mais c'est un peu lourd. Alors si quelqu'un voulait bien me donner un coup de main, ce serait gentil. Ah, merci. Vraiment marrant. Bon, c'est parti. Deuxième tournée. Alors, c'est comment? C'est fort. C'est très sucré. Tu finiras par t'habituer. Dites, serré. Venez avec nous sur Tanalor. C'est le refuge idéal pour les archives et le passage. Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais on peut l'affronter ensemble. Oui. C'est une nouvelle voie pour nous tous. Cal, Maître Tapal serait fier du Jedi que tu es devenu. J'ai eu un bon maître. Écoutez-moi. Le passage a trouvé un nouveau foyer. À Tanalor. À Tanalor. Attends une minute, chérie. Ça veut dire que tu viens avec nous? Oui, Gris. Je vais même commencer à préparer les archives pour leur transport. Il se fait tard, je vais t'accompagner. Dites donc, vous savez où il est, le Mantis? Cet endroit est terrifiant la nuit. Je vais venir avec toi. Oh, super. Mais pas de tour flippant, hein, d'accord? Et chérie, les Anachorètes viennent vraiment avec nous? Bien sûr, oui. Oh, la famille s'agrandit de toute une bande d'oncles et de tantes flippants. On a réussi. Ouais. Le combat sera bientôt comme neuf. On dirait que t'as la tête ailleurs. Tu me connais trop bien, Ferrailleur. Je pensais à Kata, c'est tout. Je sais qu'on s'occupe bien d'elle, mais... c'est toujours compliqué quand je reviens. Quand elle verra ce que t'as fait pour elle, elle comprendra. Ouais, j'espère. Je me dis qu'on devrait peut-être aller d'abord sur Tanalor, histoire d'être sûr que c'est sans danger pour les autres. Plus vite le passage s'installera là-bas, mieux ce sera. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur l'Empire. Ouais. Eh. Demain, on aura un nouveau foyer. J'y serais jamais arrivé sans toi, Baud. Merci, mon frère. Ouais. Et il faut que j'aille enregistrer une histoire pour Kata. Passez une bonne nuit. Tu l'as mérité. L'amour. Je l'ai vu, hein. La nuit, le désert s'étend à l'infini. Il y a de la beauté dans le vide. Tu parles comme une Jedi. Il pouvait pas se tromper sur tout. Non, pas tout. Écoute... l'ordre n'est plus. Je dois tourner la page. Et... je sais ce que je veux maintenant.
T'en as mis du temps. Ouh là là. Incroyable ça. Waouh. T'as trop stylé, t'es en train de méditer et tout. Vérifier la progression de Cordova avec le soleil qui se lève. Waouh, il a clairement dit à Merine que c'est bon, ils peuvent être ensemble quoi, tu vois. C'est le nouvel ordre Jedi quoi. Parce que ça, normalement, c'est interdit. Anakin, il te l'aurait dit, frère. Hop les... Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas y aller? Non, là, c'est pour sortir. C'est bien silencieux, c'est bizarre. Mais ouvre-toi, pourquoi la porte elle est fermée? Trop chelou, non? Là aussi, attends, peut-être qu'il faut prendre le espèce d'ascenseur là. Ah voilà. C'est bon les gars, tout va bien. Hi-ha. Monsieur Cordova, vous en êtes où? Ça avance? Voyez par vous-même. Maître Cordova. Vous avez réussi. C'est quoi ça? Les impériaux arrivent de tous les côtés. Ils nous ont trouvés. Évacuez les vôtres. Je vais nous faire gagner du temps. Quoi? Baud? Je vais sérieux. Mais... Mon enfant... Vous n'aviez pas à faire ça. Non. Oh là là. Maître Cordova, il est mort. Baudin le compare, rattrape-le. Allez. What? Mais pourquoi il a fait ça lui? Mais non. Trahison. Oh l'enfoiré. Purée les gars, c'est abusé. Baud, notre poteau, notre frère depuis le début, il est avec nous. Pourquoi t'as fait ça? Viens là toi. Putain, mais je rêve. C'est par où? Il est parti par où? Là. Il est là. Oh là là, il est parti. Oh, on va prendre ça. Oh, trop bien. Waouh. Ok. Wow. Oh mon dieu. Oh, c'est trop stylé. Cordova. Ah ouais, c'est abusé. Putain, il a tué Cordova. Il a tué le Jedi, le maître Jedi, quoi. Putain, j'y crois pas. Waouh, mais c'est trop bien ce truc. Putain, reviens là, il faut que tu nous donnes des explications, espèce de traître. Oh mon dieu. Ouais, ok. Oh mon dieu, c'est tellement stylé. Putain, mais viens là toi. Et c'est lui qui a mené l'Empire jusqu'ici, j'imagine. Allez. Bim! Comment t'as pu nous faire ça? Tu m'appelais mon frère. Ces marcheurs se dirigent vers les archives. Oh là 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 là, mon dieu, comment c'est stylé.
Oh. Il essaie de s'enfuir. Ça c'est sûr. Wouhou. Putain, j'y crois pas. C'est quoi ce twist de ouf? Non mais pas beau de quoi. Oh là 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 là. Incroyable. Ensemble. Tout ça pour que tu le donnes à l'Empire maintenant? Non, je ne le donnerai pas à l'Empire. Tu as tué Maître Cordova! Cal, tu n'as pas le temps pour ce combat. Quelque chose d'horrible va arriver aux archives. Écoute ton instinct. Tu sais que j'ai raison. Qu'est-ce que t'as fait? Si tu veux mettre ta famille à l'abri, fais-les sortir de là. Maintenant. Qu'est-ce que t'as fait? Il a la force. C'est impossible. Il n'est pas le seul à avoir survécu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un Jedi? Mais c'est quoi ce délire? Non mais attendez. C'est quoi? C'est un Sith, ce Jedi, c'est quoi? Un Jedi noir? Oh mon dieu, comment il tient son sabre! Non mais je vais péter un câble. J'ai plus de steam, j'ai pas de steam. Blague. Incroyable. Non, c'est fou. Déjà que c'est un trait, c'est fou. Que Enno Cordova il meurt, c'est fou. Et Bode c'est un Jedi les gars. Il a dit t'es pas le seul à avoir survécu. Réapparition. On devait mourir. Hein. Évidemment, c'est pour ça que j'avais aucun steam. Ils me les ont tous enlevés. Enfin mourir. Perdre en tout cas. Non, on joue avec serré. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Je suis pas prêt pour ça. Appuyez sur L3 et R3 pour créer une barrière de protection autour de serré. Non. Oh mon dieu, on joue avec serré les gars. Non. Oh c'est trop stylé. Oh mon dieu. Oh c'est trop bien. Oh mon dieu. Viens à toi. Trop stylé. Non. Bim. Putain, ils vont tuer tout le monde. C'est pas vrai. Putain mais c'est abusé ce qui se passe. Oh là 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 là. Non mais serré. Bim. Eh c'est incroyable. Bim. Je vous laisserai pas toucher aux archives.
Encore ? C'est pas vrai. Siri est vraiment forte. Hein. Faites distraction pour laisser aux autres le temps d'évacuer les lieux. Wow, c'est stylé. Aou ! Mais je rêve. Ouh ! Oh là 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 là. Ah, il se soigne avec la force, c'est trop bien. Yes ! Putain, il y a lui là-bas, là, faut l'avoir. Aou ! Aïe 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 aïe, c'est chaud là. Wow wow wow, c'est quoi ça? Ouh, incroyable. Mérine, on a fait tomber le vaisseau. Oui, mais l'Empire attaque l'entrée principale. Ah ouais. C'est chaud là, c'est chaud. C'est quoi ça? Méditer, mais non. Putain, c'est les trucs de méditation de série, ils sont jaunes. C'est incroyable. Ah, c'est trop stylé ce qu'ils ont fait. Je connais un raccourci. Recule. Nous devons tenir le hangar jusqu'à ce que tout le monde ait été évacué. Pourquoi oh là 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 là. Les défenses de la base ne sont pas actives. Quelque chose ne va pas. Au bon vieux temps. Bim. Ouhou. Bien joué les anachorètes. Oh, eh, c'est ouf ce qui se passe. Hein. Non mais franchement. C'est là ou pas? Non, c'est pas par là. Ah ouais, en fait la mort de Dagan Gara c'était le début de l'apocalypse en fait. C'est ça. Et par où on va en fait? C'est pas là. Ça hein. Des impériaux. Ah ok, oui, bah tout à l'heure j'étais dedans mais ça montait. Est-ce pas. Que tu as vu Cal? Non, mais BD était avec le Mantis. Ils évacuent un maximum de gens. Là-bas, des marcheurs. Oh. Il ne faut pas qu'ils franchissent l'entrée principale. Oh mon dieu, l'assaut de ouf. Ah mais là ils ont tout donné là. Ya. Oh là là, j'avais pas vu croiseur impérial là. Dieu, comment on fait là? Voilà, tac. Allez les gars, on va les sauver. Waouh. Wouhou. Bill. Les tuez pas les potes. Wow. Allez la puissance. Oh serré, elle est trop forte. Ya. Par là. Ya. Mon dieu. Mais c'est fou. On monte. Il faut arrêter les marcheurs. Allez. On va les exterminer. Aou. Oh. On doit détruire ces marcheurs. Vas-y. On a balancé la boule. Wouhou. Magnifique. Yes, on les a eus. Allez, on continue de monter. Non, je peux pas. Il y a d'autres munitions au niveau intermédiaire. Très bien, on va en avoir besoin. Faut aller où là? Vas-y, on monte. Allez, par là.
Tac. Un petit repos, vite fait. C'est vrai qu'on peut donner des ordres à Mérine aussi. Hein. Faut pas oublier. Wouh! Bim! Ok. Bim! Deuxième. Allez, viens. Ça y est. On a poussé la deuxième boule. Les marcheurs vont bientôt pénétrer dans le périmètre. Non, 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 ils vont pas pénétrer. Ils vont pas pénétrer, t'inquiète. Yes! Oh là 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 là. Ça va les ralentir. Maître Tunda, l'Empire a ouvert une brèche dans les tunnels. Ils essaient d'ouvrir la porte du hangar de l'intérieur. Au hangar. Sérieusement. Mérine, tu peux... Bien sûr. Ya. On y va, on y va. On perd pas de temps. Ok, on y est. Tac, je me mets là. Petit repos. On reprend toute notre vie. Et c'est parti. Tellement de morts. Il y en aura encore plus si nous ne protégeons pas le hangar. Cordova. Il aurait voulu qu'on sauve tout ce qu'on peut des archives. Et les codes de contact. Ils ne doivent jamais tomber entre les mains de l'Empire. Jamais. Danger en approche, CV. Ouh. Bien joué les gars, continuez comme ça. Ils ouvrent la porte. Alors, on les arrêtera. T'as des perche-troupeurs en plus. Ils ont vraiment mis la sauce là. Touche pas à Mérine, toi. C'est par où les gars, c'est par où? C'est là. Au hangar. La porte est fermée. On peut avancer. Il se passe trop de trucs, je te jure. Ouh. Allez, on descend. Bien joué. Toi aussi. Grise, tu me reçois ? Serré. Quelle bonne surprise. Reste sur le Mantis jusqu'à ce que nous ayons sécurisé le hangar. Bien réussi. Waouh. Repoussez-les. Oh là là. Ouh. C'est quoi cette armée? Continue de se battre. Je mourrai ici s'il le faut. Wow, regardez. Je crois que ça arrive. Putain. Je suis en train de perdre maintenant. Wow. Attention Mérine. Qu'est-ce qui se passe? Bim. Ils sont trop nombreux. Garde
On va les arrêter. Allez. Restons sur nos gardes. Waouh, tout ce qu'il y a. Putain, un marcheur. Putain, je rêve. Un marcheur, les gars. Allez. Bien joué. Ils sont là. On peut les retenir. On peut y arriver, les gars. On peut y arriver. On peut y arriver. Ça suffit. Allez, allez. Oh, elle a fait s'effondrer la caverne. Incroyable. Elle est trop forte. Waouh. Ah, si vous saviez comme je suis content de vous voir. Merci pour ton aide. Des nouvelles de Cal? Rien pour le moment. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû désactiver son communicateur. Serré, c'est quoi le plan? On s'échappe avant que le gros de leur force arrive. Puis on se retrouve au point de rendez-vous. Mais d'abord, je dois retourner aux archives. Les codes de contact du passage. Je viens avec vous. Non. J'ai besoin que tu restes ici pour protéger le Mantis. BD, va avec elle. Laisse tourner le moteur, Chris. Ce ne sera pas lent. Hé, chérie. Reviens vite. Je crois en toi. Merci, Chris. Pouah les gars, c'est chaud. Récupérer les codes de contact des archives. C'est par là ou pas? On dirait qu'il y a... Tu sais, on dirait que c'est... Genre la force. Non, non, on peut pas passer là. Attends. Putain, je peux même pas ouvrir la carte. Non, ça doit être par là en fait. Tac. Méditation, on reprend toute notre santé. Oh, eh, c'est le chaos ce qui se passe. On dirait que si, on dirait un deuxième ordre 66. T'sais. C'est genre. Wow. Des archives, mais non. Oh, c'est une catastrophe. Rapporte ça au Mantis. On se retrouve au point de rendez-vous. Vas-y. Maintenant. Oh mon dieu! Ça faisait bien longtemps. J'espérais que tu t'étais noyé sur Nour après qu'on a fait exploser ta base sous-marine. Il est naïf de penser que tes actions ont eu une quelconque conséquence. La forteresse est toujours là. L'Inquisitorius continue son œuvre. Et je suis venu pour toi. Oh mon dieu, c'est pas possible. Oh. Oh les gars, serré contre Dark Vador. Oh mon dieu. Non. Waouh. Putain, c'est chaud. Non mais il est trop fort. Putain, rien que de le voir, je sais que j'ai la pression de ouf. Wow. Wow. Il m'a défoncé. Allez, allez. Attends, c'est moi, il perd pas du tout de vie en fait. Regardez sa vie. Non. Oh. Putain. Non mais regardez sa vie en fait. Ah si, il en perd.
Il en perd. Mon dieu. Oh. Ok. J'ai plus qu'un seul steam. Putain, c'est pas vrai. Inutile de fuir. Waouh. Allez, serré, putain. Tu as rassemblé les vestiges de la tradition de Jedi. Oh. Allez. Oh. Putain, il est bien. Oh non, il va me tuer. Putain, il m'a éclaté. C'est reparti. Wouh. Oh. Oh, il fait trop mal. Non. Oh, allez. Putain, il est chaud. Ouh, il a mis un genou à terre. Oh, il est vénère. Oh. Incroyable. Tu as gagné en puissance. Non. J'ai seulement cessé d'avoir peur. Quelle naïveté. Incroyable. Oh. Putain, serré. Va dans en feu comme ça là, non. Oh. Oh. Il est vénère. Oh, il est très vénère. Oh putain. Putain. Il est vraiment très énervé. Allez, c'est reparti, putain, il est chaud. Oh là. Laisse-moi. Wow. Il est énervé de ouf. Wow. Et il s'en fout, j'envoie la force, il l'a balayé comme ça. Wow. Allez. Wow, calme-toi. J'ai essayé de le soulever, il n'a rien à faire. Waouh. Oh. Putain, c'est abusé. Allez. Magnifique.
Ouh. Allez. Allez. Oh non. Elle l'a loupé, putain. Wow. Totalement dinguerie. Oh, là, c'est chaud, hein. Oh, c'était vraiment incroyable. Tu t'en es occupé? Ouais. C'est bon. On trouvera un bon endroit pour les enterrer. Les autres Anachorètes se sont dispersés. L'Empire les poursuit, mais ils peuvent revenir à tout moment. Serré a réussi à gagner assez de temps pour que BD1 nous envoie les codes de contact du passage. Mais c'est tout ce qui reste de ces archives. On a failli avoir une deuxième chance. On s'est fait complètement avoir. Explique-moi, comment Baud pouvait être à la fois un Jedi et un espion impérial? Ce n'est pas un Jedi. On ne l'a pas ressenti. Il nous a tous trompés. Non, j'aurais au moins dû réussir à... Maintenant, ça suffit! Cal. Ça suffit, ok? Ce que Baud a fait, c'est sa faute.
C'est pas la tienne. Ni celle de personne d'autre. C'est la sienne. C'est tout. On sait que les dés sont pipés. Mais c'est nous qui décidons comment on joue. C'est dommage que sa tête ne soit pas mise à prix. On aurait pu le suivre avec un tracker de la guilde. La balise de repérage. C'est comme ça qu'il nous a trouvés sur Kobo. Elle est peut-être toujours active. C'est ce qu'on va voir. Ah, rien. C'est pas vrai! Cal. Le signal. On le capte à peine. Ça donne quoi, BD? Le système Novagaron. Hé, une minute. Pourquoi Bond ferait un détour? Il a une fille. C'est peut-être là qu'elle habite. On pourrait l'attraper là-bas. Mais ça ressemble à un piège. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en dis? On prend le risque? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Pour serrer. Et mettre Cordova. Je vais camoufler notre approche. Ok. Asseyez-vous tous les deux. C'est moi qui prends les commandes. Pour serrer. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Prochain objectif, trouver Bod. C'était absolument incroyable. Nouvelle destination, Novagaron. C'est là-bas que Bod va, a priori, rejoindre sa fille, ou c'est peut-être un piège. C'est un épisode fou. Je m'attendais pas du tout à vivre autant de trucs dans cet épisode. Il s'est passé des dingueries. Bod qui nous trahit. Bod qui est un Jedi. Ou un Sith peut-être, parce qu'il a réussi à camoufler sa présence depuis le début. On n'a même pas senti la force, c'est très bizarre. On joue avec Serré, qui est incroyable. Combat de boss contre Serré et Vador. Serré qui meurt et nos Cordova qui meurent. Waouh, 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 c'était totalement fou les amis. C'était vraiment incroyable, j'ai surkiffé cet épisode. Et l'histoire vraiment est géniale de ce Jedi Survivor. Franchement... c'est incroyable, il y a un retournement de toute situation qui est vraiment fou. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur Bod? Bod Hakuna a trahi tout le monde pour assurer la sécurité de sa fille. On sait désormais que c'est un Jedi ayant échappé à la purge. Bod attaque avec son blaster et un sabre laser pris sur leur corps de Dagan. Des années d'opération... comment je fais pour eux? Des années d'opération clandestines ont fait de lui un guerrier imprévisible et terriblement dangereux. Ouais, c'est un Jedi. C'était fou. Mon dieu. Et Dark Vador, rares sont ceux qui ont réussi à échapper aux griffes de Dark Vador, et ceux qui y parviennent ne bénéficient que d'un bref sursis. Maître de la force et de toutes ses subtilités, cet humain mécanisé attaque avec une puissance implacable sans jamais se fatiguer, ni s'arrêter tant que sa proie n'est pas totalement anéantie. C'était fou le combat. Et Serré, c'est vachement bien débrouillé, je trouve, contre lui. C'était impressionnant. Franchement, elle a failli l'avoir. Hein. Au dernier moment, il lui a planté son sabre parce qu'elle l'a loupé. Elle a planté juste à côté de son corps. Et lui, il en a profité de l'occasion, mais c'était fou. J'ai surkiffé les amis, j'espère que vous aussi. J'espère que ça vous a plu. Envoyez de la force sur l'épisode pour soutenir tous ces morts dans cet épisode. C'était vraiment terrible. J'ai hâte de voir où l'histoire va nous mener. Mais je pensais que voilà, après la fin de Dagan, ça allait se poser. Et en fait, c'est reparti fois 1000 en fait. Vraiment gros twist, grosse surprise. Je m'y attendais pas. Donc franchement, scénario au beurre. J'ai kiffé. Passez une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour la suite des aventures. On approche très vite de la fin. Ciao.